Tu ne peux pas aspirer à la bénédiction. Et puis tu peintures le mari de quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui est ton corbeau. Et toi, tu entends le construire ton avenir dans le grenier de certains enfants qui sont privés de certaines choses. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il ne peut pas te bénir. Parce que écoute-moi bien. Même toi-même, tu assises là, le jour où tu te maries, que tu apprends que ton mari est corbeau de quelqu'un, de... est-ce que ça te plaît? Maintenant, pourquoi c'est à ton tour là, la tisa doit mourir? Mais elle grossira. La tisa vivra. Ne fais simplement pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Il dit, si tu mets en pratique, voici les bénédictions qui seront ton partage. Donc, ton attitude définit ton altitude en termes de bénédiction. La bénédiction ne s'acquiert donc pas par prière. La bénédiction s'acquiert par action. Quelles sont les actions que tu poses? On n'a pas parlé de tes jours de jeûne. Arrête de jeûner pour être béni. La bénédiction est liée à ce que tu mets en pratique. Tu te comportes mal, c'est la malédiction qui te suit. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père, car c'est la nudité de ta mère. Mais toi, tu dis que lui, il est ton père, mais elle n'est pas ta mère. Si elle parle là, tu vas la frapper. Or, quelqu'un qui fait un corps, une seule chair avec ton père, c'est ton père. Parce qu'elle fait déjà un même corps avec le corps de ton père, donc spirituellement, elle est ton père. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne verras pas sa nudité, parce que c'est la nudité de ton père. Mais toi, tu estimes que si tu lui parles mal, c'est une étrangère que tu as parlé mal. Si tu la pousses même, c'est une étrangère que tu as fait cela. Mais c'est à ton père que tu es en train de faire ça. Et le ressentiment qu'elle a, en réalité, c'est une parole. Tout ce qu'elle prononce, ce n'est pas elle qui parle, c'est ton père qui parle. En fait, c'est sa voix que tu entends, mais spirituellement, c'est ton père qui te parle. Parce que spirituellement, elle et ton père sont une même personne. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens se prennent des malédictions en se dressant contre soi-disant les marates. Quand quelqu'un voit la nudité de ton père, fais attention. Même si tu es plus âgé qu'elle, c'est une petite fille. Mais toi, tu es maudite. Tu es maudite. Comment la femme de ton père est une petite fille? Dès l'instant que la femme est la femme de ton père, c'est ta mère. Point barre. Tu as dit que c'est difficile, non? Donc, aller faire des offrandes, je ne sais pas chez quel prophète, ça ne peut pas te bénir. Faut pas que quelqu'un va te mentir. Il dit si tu obéis. Si tu obéis. Et cet homme-là, il dit, lui, il a obéi. Alors, il a eu de grands biens. Il était commerçant, son commerce a marché. Il est devenu riche. Il dit, maintenant, je veux plus la richesse, je vais aller au ciel. Jésus dit, pour aller au ciel, là, c'est pas Moïse que tu dois suivre. Pour aller au ciel, c'est moi que tu dois suivre. Donc, si tu veux être riche, voici ce que Moïse a dit. C'est pourquoi on n'a pas déchiré l'Ancien Testament quand Jésus est venu. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et tu attireras sur ta vie la bénédiction de l'Éternel. Mais si tu vois comme étant juste quelque chose qui est normalement injuste, simplement parce que c'est toi qui en bénéficie, tu ne seras jamais béni. Même si c'est toi qui en bénéficie, tu dois être capable d'appeler l'injustice injustice. Je pense qu'on se comprend un peu. Parce qu'il y a des moments où, quand quelque chose est injuste, on traite cela d'injuste quand c'est contre nous qu'on fait ça. Mais quand c'est nous qui faisons ça, on le trouve juste. Et des fois, maman prie. J'ai l'une de mes filles qui est venue me voir un jour. Ça dit, elle est tombée amoureuse du mari de quelqu'un. Elle veut me voir parce que Dieu lui a dit que le mari de la dame, là, c'est l'homme de sa vie. Ouais, c'est dosé. C'est-à-dire que moi, maintenant, mon rôle prophétique, c'est de prier pour qu'ils se divorcent et puis ils viennent la marier. Et ma fille, ta mission là, c'est dosé. Je sais pas comment faire ça. Tu vois quelqu'un comme ça? En fait, elle allait jusqu'à voir que la normale et ce qui est normal. Jusqu'à un jeune, pour que ce qui est normal se gâte, pour que ce qui est anormal se légalise. Pour mettre des mains quand tu ne te maries à un tel monsieur. S'il est sur le point de te laisser, faut pas te fâcher parce que celui qui a bu boira. Tu vois comment la salle est devenue calme? Parce que tout le monde veut être béni, mais personne ne veut faire du bien à son prochain. Parce que quand tu prends le temps de fouiller, Satan a mis quelque chose qui te rend heureux. Mais ça rend quelqu'un d'autre malheureux. Mais tu t'en fous de son malheur. Toi, tu regardes que toi, ton bonheur. Voilà pourquoi tu peux jamais être béni. Parce que tant que ton bonheur est illégal et produit un malheur légal dans une légalité, ton bonheur devient une malédiction. Donc, les sorciers t'ont jamais maudit. C'est toi-même. C'est ton comportement en ville, là. C'est ça qui te maudit. Donc, ne soyez pas des personnes superficielles, soyez des personnes profondes. J'ai dit, les gens en ont ri. À l'église, tout le monde vit la sanctification, mais personne n'a coagulé. Les gens en ont ri. Mais c'est triste. Si tu touches tel frère, papa, moi, il y a longtemps, j'ai arrêté ça. Si tu touches telle soeur, ça fait 2 ans que j'ai fait plus. Si tu touches telle. Ça fait. Vous pensez que vous mentez à qui? C'est tout ça qui fait qu'il y a les hémorroïdes partout. On dit hémorroïdes, c'est malédiction, vous comprenez pas? Donc, on me l'amène bien. Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Deviens alors un membre de Genèse en rejoignant la communauté Genèse Online pour le mois d'octobre et participe à tous nos cultes et programmes spéciaux via Zoom. Tu pourras aussi avoir un entretien avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Pour toute information, veuillez contacter le plus 225 07 20 00 00 52 plus 225 05 05 05 77 64 via WhatsApp. Genèse, plus qu'une église, une famille.